Bonjour les passionnés, nous sommes au Parc Astérix pour l'ouverture de Discobélix. À côté de moi, j'ai Alexandre. Bonjour. Je suis l'Obélix du parc, mais faut pas le dire. Que vous connaissez si vous avez vu le premier vlog. Tiens, il y a des décorations de Noël dans les arbres. Nous sommes le 3 avril. Discobélix est dans le quartier grec. Nous nous rendons donc dans le quartier grec. La file n'avance pas. Ah, c'est un disco. Putain. C'est un disco. T'as 28 personnes, c'est ça, bon? Non, un peu plus. Ouais. J'arrive pas à compter, ça tourne. 1, 2, 3. Ah merde. 1, 2. Oh, il doit bien y avoir 40 personnes. Mais du coup, la file n'avance pas. Elle est toute petite. Il manque des morceaux de colonne. Donc nous sommes sur un disco coaster de Zamperla. Oui. Et l'avantage, c'est marqué là. Ouais, c'est marqué dessus. Et ce qui est bien avec ces machines, c'est qu'on n'est pas beaucoup tenu. On est parfaitement tenu, on peut pas tomber. Et ouais, on peut lever les jambes, on est juste tenu au niveau du bas du ventre en fait. On est calé comme ça à l'avant. Et derrière, on vient nous plaquer une barre dans le dos qui va parfaitement nous tenir, mais on pourra toujours, on aura une certaine liberté. On peut garder une certaine liberté. Voilà. Ce qui permet de regarder l'horizon, de regarder plus à gauche à droite si on est sensible au mal au cœur. C'est pas une machine qui va vraiment donner envie de vomir parce qu'on peut toujours se déplacer un peu. On n'est pas prisonnier des mouvements rotatifs de la nacelle, j'ai envie de dire. Voilà, on peut bouger. Ah, c'est gênant ce DP, on tient droit ça, merde. En général, Ouais, t'as vachement de marge. Vu que je me suis reculé, j'ai quand même une marge assez. Si on veut, on peut se plaquer vraiment et bien coller. Petit jet d'eau, on va peut-être le voir. Ouais, là, je vais bien la voir. C'est vrai que c'est la petite différence par rapport aux autres disco coasters. J'en ai jamais vu en skate qui fait ça. Et un petit peu sur le quartier grec. Voilà, et on voit un petit peu Osiris. On voit un tout petit peu Osiris au loin, effectivement. On voit le haut du lift. Donc en fait, j'allais te demander ton avis en sortant d'attraction, mais tu l'as donné dans l'attraction. Je te la donne dans l'attraction, comme ça, c'est un peu mieux, non? C'est du temps gagné. Exactement.
Voilà. Et donc là, on se donne rendez-vous dans 10 minutes parce qu'il faut que la machine se calme. C'est ça. Don't be afraid of the ones you love, shy boys. Don't be afraid of the ones you love. Don't be afraid of the ones you love, shy boys. Don't be afraid of the ones you love. Flesh temple orbits the sun, yeah, I think that the summer's around. I felt the itch in my eyes, girl, when I met you in blue. I'm dancing around on paranoid, something new, just like you. Tout à l'heure à l'intérieur du fait de pouvoir bouger, ce qui permet de pas être trop écœuré. Il y a quelqu'un qui disait à la sortie, j'ai pas eu de mal de cœur contrairement à RC Racer, le truc au Walt Disney Studio qui monte comme ça, parce que là t'es toujours en marche avant, tu peux pas trop bouger, t'es super calé dans ton siège, alors que là t'as vraiment cette liberté de mouvement. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi les gens là, bougent un peu. Les derniers sont un petit peu frileux. Non mais il y a un mec qui regardait derrière lui. Ouais. Tu peux regarder quasiment à 360 degrés, tu peux bien te contorsionner, tu peux faire ta gym là-dessus. Et voilà, et donc le point positif, je pense, de cette attraction, c'est vraiment son intégration. Ouais. Et ça. Et c'est joli.
ça a l'air de rien, mais ça met un petit plus effectivement à un disco coaster qu'on peut connaître ouais. dans n'importe quel autre parc. Alors je trouve quand même que ça aurait pu être un peu mieux, genre les jets d'eau auraient pu être un peu mieux calés. Là, ouais, le deuxième il va être moins calé, on sait pas pourquoi, le premier est parfait. Et le deuxième ? A priori une question de temporalité, on va voir justement vu que le plateau est encore moins lourd. Temporisation ? Ah il y a pas eu du tout. Alors, ah bah voilà, comme ça. Voilà, le deuxième est pas calé. Est-ce qu'il va réussir à remonter au moins ? Ah, oh putain ah. Et ben voilà, merci d'être venu, bonne soirée. Bon, heureusement qu'il y a un mec des ampères là encore. Ils vont peut-être se servir de la plateforme moche en voilà. bois de l'autre côté. J'en suis dans un technique, la traction discopédique s'est momentanément arrêtée. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. Ah, c'est voilà. excellent. Tu vois, tu me disais donc, que c'est le Word, il n'y a pas de soucis, tout ça. On va voir comment ils font donc dans ces cas-là. Je me posais la question justement de est-ce que le poids avait une importance dans cette attraction, vu que les personnes sont 2, 4, 6, 8, 9 à l'intérieur. Et putain, il y a le mec de son père là à l'intérieur. Ah non. Et donc je disais, ouais, le jet d'eau, pour être mieux synchronisé, il y a cette planche en bois de l'autre côté qui est bizarre, cette oui. plateforme d'accès. Ils ont pu faire un caillebotis caché. Il y a quelques tout petits points de détail si on, voilà. si on cherche vraiment la petite bête. Et je m'inquiète un peu quand même pour la qualité du béton, du décor. Il y a, ouais. il y a des endroits, ça fait un peu... On dirait que c'est bizarrement fini. Il y a des endroits, effectivement, c'est un petit peu moins bien fini. Et j'ai peur que ça se dégrade rapidement. Donc, venez très rapidement faire Discobélix avant que ça se dégrade. Bloqué. Trois cheeseburgers et une grande frite. Non, c'est pas passé. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. On y va ? C'est ouais. Bon. Allez. Que je range mon... J'en ai... On est en train de faire une conclusion, on va la faire et... en marchant. Ouais. Donc on avait dit que c'était... Bonsoir. Que c'était simple. Toi, tu trouves ça super bien intégré. Moi, j'ai peur que la théma s'abîme un peu vite. Oui, ça, c'est clair que, en tout cas, il y a des. On voit déjà qu'il y a des défauts dans la thématisation et des choses qui sont mal finies. C'est improbable d'avoir des défauts comme ça. Donc voilà. J'espère que ça va être fignolé dans les jours qui viennent. Je sais pas si le parc est ouvert 7 jours sur 7 à partir je de maintenant. Pense... Vacances, oui, c'est les vacances, pense. Donc oui. Mais au-delà des vacances, il y aura peut-être un petit moment de fermeture où ouais. il y aura peut-être des finitions qui pourront être apportées. J'espère que c'est un manque de finition et pas que ça se dégrade déjà, genre les bords du disco. Je pense pas que ce soit une dégradation, je pense que c'est plus peut-être pas, un... il manque une dernière couche, quoi, ouais. un truc comme ça. Je pense aussi, j'espère. À voir dans le futur, à voir en fin de saison. Donc voilà, non, c'est... Bon, ça reste une attraction relativement simple, hein, on va pas se le cacher. Oui, c'est hein, grand public. Coaster. C'est très grand public. C'est familial. C'est familial. Oh, j'ai très faim. Voilà, on a vu aussi main basse sur la Joconde. Main basse sur la Joconde, toujours aussi bon. On ne s'en lasse pas. Exactement. Ça date des années 90, il y avait marqué le plus grand spectacle d'Europe, je trouve que ça l'est toujours. Oui, c'est vrai, j'ai pas le temps de beaucoup réfléchir, mais c'est vrai que je trouve pas de très très grand d'équivalent. Spectacle. D'équivalent. Je les connais pas tous, mais en général, t'as 2-3 cascades, moteur action, t'as des matelettes partout, tout ça, ça va au leur ralenti. Là, il y a quand même voilà, y a des mecs qui sautent en moto sur d'autres mecs, tout le tralala. Il est temps de se dire au revoir. Alexandre, je vais te masquer avec quelques vidéos. Par ici, vous trouverez le précédent vlog à Nigloland. Et par là, la vidéo de Parc Passion tournée il y a quelques années quand nous avions emmené tout le petit groupe au Parc Astérix. Si vous aimez ces vidéos, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous abonner en bas. Ça nous ferait très plaisir. Et pour tout ce qui est Twitter, Facebook, tous les liens sont sur le site parcpassion.org. Vous découvrirez aussi nos prochaines sorties. Nous allons notamment en juin à Fantasialand et à Plopsaco. Fantasialand ouvre un gros gros grand 8 avec lancement magnétique, des virages dans tous les sens. Nous fermons les inscriptions le 10 avril. Dépêchez-vous, il reste quelques places. Le bus part de Bussy-Saint-Georges, il revient à Bussy-Saint-Georges, alors à plus dans le bus, si vous le voulez bien.